Vous allez l'ouvrir, puis ça va peut-être vous rappeler quelque chose. Ah ah, je suis étonné là. je ne sais pas. C'est vraiment pas méchant, c'est pas méchant. Ça ne mord pas. Ah, ah, ah. Ah oui, je connais. Je connais. Eh bien, voilà, c'est un micro. Maintenant, il faut dire à un spectateur, c'est un micro, parce que ce n'est pas tellement évident. Oui. C'est un micro comme j'en ai connu, de terrible. Et il est certain que pour faire une interview, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, regardez ce que ça donnait. Alors, vous voyez que ce n'est pas tellement facile. Et oui, nous avons travaillé avec de semblables micros. Pas en extérieur. En extérieur, quand même, on avait des micros plus faibles, mais pas de micro-cravate. Pas du tout. Ça n'existait absolument pas. Et pas de perche en extérieur, jamais. On ne pouvait pas. Mais alors, ce micro... Il est lourd, hein. Mais savez-vous qu'il a une vertu, hein. Oui. Enfin, il a des vertus. Allez-y. Ben, il a un bon son. Oui. Il est lourd. Oui. Il est gros. Mais il a une bonne qualité. Oui. Ça doit faire un drôle d'effet de revoir ce matériel quelques 20 ans après. Oui. Alors, comme on a un micro qui est d'époque, ici, vous voyez, il est beau, il est gros. Il est d'époque, j'avais presque envie de vous demander de nous dire au revoir aujourd'hui, comme vous le faisiez à l'époque en 1949, avec la même voix et puis avec le même bonhomme. On a tout là. C'est absolument impossible. Oui. parce qu'en 1949, on ne disait pas au revoir. Non. Parce qu'en 1949, on n'avait pas de micro. On est dans une toute petite cabine. Oui. Avec un micro pendu à une barre, n'est-ce pas? Et on ne leur disait pas au revoir. Car c'était en début de programme, ça se situait à 20h25, à peu près comme maintenant, et on disait simplement, et on ne voyait pas le visage, puisque ce n'était pas à l'image, c'était sur des images et non pas à l'image, c'était pour essayer, pour éviter le védétariat, je faisais ça aussi, et c'était à demain.